Salut. Tu vas bien? Bien et toi? Bien. C'est quoi ton t-shirt? Merci. On y va. La première demi-finale de l'Eurovision, c'est ce soir et on en profite pour vous présenter celui qui va chanter pour la Belgique, Loïc Notet. Si tu as suivi The Voice l'année passée, tu le connais, il faisait partie des finalistes. Depuis, il a été choisi pour représenter notre pays à l'Eurovision et Jade, notre news reporter, l'a rencontré. Loïc, tu participes donc à l'Eurovision cette année, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors l'Eurovision, c'est un grand concours européen où un maximum de pays européens envoient des artistes pour représenter leurs couleurs. Et donc on fait tous la fête pendant une soirée ou deux si on est qualifié et on s'amuse et voilà. Loïc va donc participer à cette grande fête et surtout essayer de se qualifier pour la finale. Allez, on écoute un petit extrait de sa chanson, je suis sûre que tu la connais. Et quel est le titre de ta chanson ? Rhythm Inside. Est-ce que c'est toi qui l'as écrite? Oui, avec Beverly Joe Scott. Voilà, mon ex-coach à The Voice. La Belgique n'a gagné qu'une seule fois à l'Eurovision et c'était il y a très longtemps, en 1986. Pourtant, aujourd'hui, d'après les pronostics, Loïc a toutes ses chances d'accéder à la finale. Et puis qui sait, il pourrait même gagner. Tu vas pour le plaisir ou vraiment pour la gagne? Je vais d'abord pour le plaisir. Parce que moi, je suis pas quelqu'un de très compétitif dans la vie. Même The Voice, j'ai toujours fait ça comme ça, dans l'optique de m'amuser. Et après, si on peut gagner, tant mieux, voilà. Mais dans un premier temps, je vais juste là parce que j'aime la musique et parce que j'aime la scène, voilà. Pour soutenir Loïc, c'est ce soir à 21h sur la Une. Quant à la finale, elle aura lieu samedi. Allez Loïc, on croise les doigts.